Re-coucou tout le monde. Bien, je pense que ça devrait fonctionner un petit peu mieux. En tout cas, je vois que vous revenez, donc c'est super. Bienvenue à toutes et à tous pour notre live créatif hebdomadaire du mercredi après-midi sur la page Harmony Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Bonjour Sandrine, bienvenue. Re-coucou Marianne, bonjour Maroutine. Super, vous arrivez, c'est parfait. Je suis désolée, la météo est un petit peu compliquée, il y a énormément de vent. Donc ça a tendance malheureusement à jouer sur l'état du réseau. J'imagine que ça doit être un peu pour tout le monde pareil, mais ce réseau-là devrait fonctionner. C'est bon, ça fonctionne, c'est parfait. Coucou Yvette. Super, bien. Alors ben voilà, comme chaque semaine, le mercredi après-midi à 14h, on se retrouve ensemble pour un nouveau live créatif. Bonjour Corinne, bonjour Geneviève. Et c'est vraiment un moment que j'affectionne particulièrement. Vraiment, vous retrouver voilà, dans notre petite bulle, c'est un vrai plaisir. Coucou Antonia, hello Virginie. Coucou Aude, ça va ma belle? Super, bien. Donc voilà, donc chaque semaine, on se retrouve ensemble. Bonjour Jocelyne. Et je vous propose donc à chaque fois un projet dont vous avez les mesures quelques jours avant. Et puis voilà, on se retrouve pour partager ce petit moment, cette petite bulle, cette petite parenthèse juste entre nous. Et c'est un vrai moment de plaisir pour moi et je pense que pour certains et certaines d'entre vous aussi. Coucou Pauline, comment vas-tu ma belle? Alors, quoi vous dire aujourd'hui? Eh bien, vous le savez, nous sommes toujours dans la période de la Celebration et il ne reste que quelques jours puisque vous le savez, cette année elle se termine le 28 février. Donc il vous reste encore, bonjour Claude, il vous reste encore quelques jours pour pouvoir en profiter. Plein de cadeaux à gagner, vous les connaissez, vous en avez vu plein 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 déjà. Donc il y a pas mal de choses, des sets de tampons, du papier design qui est magnifique. Et d'ailleurs aujourd'hui, le projet qu'on réalise, donc les petits paniers, la plupart de ceux que je vous ai présentés sont faits avec des papiers design donc, qui sont offerts pendant la Celebration. J'en utilise un nouveau aujourd'hui pour le projet en live. Et puis j'en ai réalisé un autre avec une autre collection. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Vous le savez aussi, voilà, j'ai quelques filleuls. J'ai une petite équipe à laquelle je tiens beaucoup. Des filleuls qui sont vraiment adorables. Et du coup, bah voilà, si vous voulez rejoindre cette petite équipe, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Que ce soit là, rapidement, ou en MP, ou par mail par la suite, il n'y a pas de souci. Et vous le savez, lorsque vous devenez démonstratrice, là, pendant cette période de la Celebration, Stampin' Up! Vous offre tout un tas de papiers design magnifiques qui, en fait, seront au prochain catalogue annuel. Voilà. Donc, vous pourrez aller voir une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique tout. Et si besoin, je vous donnerai les liens pour vous y connecter. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a plein qui arrivent. Coucou Isa, Louison, Delphine, Francesca, Muriel. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, le projet de cette semaine, c'était donc des petits paniers qui peuvent servir de déco ou pour offrir un petit cadeau, par exemple, je ne sais pas, des chocolats, des sachets de thé, voilà, plein plein de petites choses qu'on peut y glisser, dans lesquelles on peut y glisser des choses. Voilà, vous avez ici le grand modèle. Et si je vous dis le grand modèle, c'est simplement parce que, donc là aujourd'hui, je vais réaliser avec vous le format moyen. Donc, je vous montre celui-ci. Voilà, c'est celui qu'on va réaliser ensemble. Mais du coup, vous pourrez avoir sur mon blog, après le live, toute une fiche technique où je vous mettrai en fait les dimensions pour réaliser trois formats différents. Donc vous aurez celui que nous allons faire en live, le format moyen, d'accord? Mais vous aurez également le grand format et aussi le petit format. Voilà.
Et effectivement, comme dit Sandrine, ça peut également être un emballage pour un petit cadeau de Saint-Valentin, pourquoi pas, n'est-ce pas? Avec toutes les collections de papier qu'on a à notre disposition, en fait, on peut aller, on peut partir sur plein de thèmes différents, même pour les enfants aussi, ou les futurs. Alors, je m'emballe, hein, on se projette, mais si on se projette jusqu'au mois d'avril, on peut aussi penser à Pâques. Du coup, vous aurez un petit tuto sous la main déjà en avance à mettre de côté pour les petits chocolats de Pâques, par exemple. Voilà, donc tout un tas de possibilités avec ces trois paniers. Et du coup, alors Antonia, oui, il y aura le... Il y aura, donc il y aura toute la fiche technique. Le tuto, c'est exactement le même que ce qu'on va réaliser ici. Voilà, ce que vous aurez sur la fiche technique, c'est toutes les mesures pour avoir les trois formats différents, mais la réalisation sera exactement la même. Le principe est exactement le même. Il faudra juste modifier donc les mesures. Voilà, tout simplement. Donc vous pourrez garder le replay de ce live, bien sûr, sous le coude. Pour le moment, vous voudrez le refaire. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui regardent ce live en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous le regardez. Ça sera un grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de modifier ma caméra et du coup, nous allons découvrir les papiers, le projet et tout ça. Voilà. Alors, oui, c'est tout mignon. Alors, vous voyez, je vous ai mis donc, hop, les trois petits paniers donc, que j'avais utilisés pour la présentation de ce live. Voilà. Donc, vous voyez bien le grand, le moyen, le petit. Donc, les trois papiers design qui sont ici sont des papiers design, en fait, des papiers offerts pendant la Celebration. Coucou Dominique. Voilà. Finalement, pas besoin de beaucoup de matériel pour la réalisation de ce projet. Un petit morceau de papier uni, du papier design, et puis après on se fait plaisir avec la déco. Donc c'est un projet rapide à faire et puis qui nous permet de partir dans plein de thèmes différents. Donc c'est assez vaste et c'est ça qui est assez sympa. Voilà. Alors je vous montre quand même les papiers donc que j'ai utilisés. Donc pour les deux premiers, j'ai utilisé donc la collection Baie Délicieuse. Donc je vous le rappelle, c'est le papier qui est offert pendant la Celebration. Et vous voyez, voilà, vous avez ici le détail des papiers. Dans cette présentation-là, vous avez le papier recto verso. Donc recto verso, recto verso, et ainsi de suite. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qui est disponible dans cette collection. Vraiment, alors très très coloré, très gai, et je trouve que ça fait du bien quand on voit le temps qu'on a en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai besoin de couleurs. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont pour les deux premiers. J'ai également, je mets ça de côté, pour ce petit format-là, c'est avec le papier fleur en papier. Et les couleurs sont très très jolies. Un petit peu plus douce, hein, bien sûr, que le premier, hein, voyez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs pastel. Vraiment, je trouve ça voilà, très doux. C'est vraiment ce qui en ressort pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien ou pas, celui-là. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et du coup, vous avez ici donc l'indication des papiers unis qui vont avec cette collection de papier design. Et donc, je vous disais que j'avais préparé un autre utiliser un autre papier en fait pour un autre modèle. Donc là, j'ai fait un autre sac, donc une version plus masculine. J'aime bien faire ça en fait là en ce moment. Voilà, proposer des thèmes un petit peu différents, des modèles un peu différents. Donc ça, vous voyez, c'est le grand format et donc plus masculin, tout simplement. Voilà, pour ces messieurs, un anniversaire par exemple. Et chut, on dit rien, mais il va me servir tout à l'heure, celui-là. Parce que vous avez dû le voir pour certaines, c'est l'anniversaire de Chouchou aujourd'hui. Donc voilà, je vais glisser son petit cadeau dedans. Voilà, donc je pense que ça peut être assez sympa. Et donc, j'ai utilisé la collection tirée à quatre épingles. J'aime beaucoup cette collection, hein, vous le savez. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hop, 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 je vous montre. Je suis pas bon juge, j'aime tout. Bonjour Christelle, bienvenue.
tout à fait, avec une glace. Oui, une glace, pourquoi pas. Donc ça, c'est la collection tirée à quatre épingles. C'est vraiment des papiers que je trouve absolument magnifiques. Pour l'instant, je pars beaucoup sur le masculin, mais on peut aussi l'adapter, bien sûr, pour des femmes. Ça, c'est certain. Les papiers unis ici. Et donc, cette collection fait partie d'une collection complète, du coup, avec des poinçons et des tampons que vous voyez ici, format A4 ici, donc à taille réelle. Ça vous donne une idée à peu près du format des poinçons et des tampons. Et ici, en fait, ces grands poinçons-là servent en fait. Merci les filles de souhaiter bon anniversaire à Chouchou, c'est gentil! servent à faire par exemple des chemises ou des vestes aussi. Et pour ça, je voulais hop, vous montrer. Voilà, c'est des exemples de cartes que j'avais proposées pendant mes portes ouvertes virtuelles. Donc ici, vous voyez, on imagine un petit pull avec un col en V, avec la petite chemise. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà, très très simple, mais du coup, ça permet de faire les découpes avec le col en V, le petit col, etc. Donc ça, c'était un premier modèle. Le modèle un petit peu plus smart, voilà, avec la belle cravate. Moi, je trouve ça sympa. Ah oui, ma rétine. Merci les filles, c'est trop joli. Émilie, collection tirée à quatre épingles, mon futur achat. Bah écoute, hein, voilà, du coup, tu as encore plus de détails là. Merci Jocelyne. Je lui dirai, je vous promets. Donc voilà, la veste avec la belle chemise, la belle cravate. On a même le détail, vous voyez, des petits boutons de veste, la petite pochette. Voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Une autre version plus colorée, à laquelle j'ai rajouté une petite coccinelle, parce que ça change hein, du cheval, par exemple, hein, pour ne pas citer. Voilà, donc un chemisier blanc, les boutons de chemise. Et là, j'ai embossé le papier, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, avec un classeur de gaufrage. Voilà, comme quoi, il y a plein, plein de possibilités. Et puis là, tout simplement, un petit jeu avec les cravates embossées ici, embossées en blanc, et puis colorisées ensuite. Voilà, des choses très très simples, mais du coup, nickel. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de cette collection-là. Et du coup, aujourd'hui, je vais donc réaliser, comme je vous disais, le moyen modèle du petit panier. D'accord? Donc je vais vous donner les mesures, ne vous inquiétez pas. Je vais me faire un petit peu de place. Et aujourd'hui, je vais utiliser ben, toujours un papier de la Celebration, que l'on peut trouver peut-être un peu trop foncé, mais finalement, en fait, ça dépend comment on l'utilise. Vous allez voir, avec le petit panier, je suis sûre, ça va rendre très très bien. Donc, je vais partir sur ce papier-là. Voilà. Il y a beaucoup de papiers unis coordonnés. Donc, on a encore un vaste choix de possibilités. Cheval ou crocodile ou le nœud rose. Oui, c'est ça, Marotine, t'as tout compris. Et ben moi, ça sera la coccinelle. Voilà. Et je vais travailler donc mon projet donc avec ce papier. Et pour la déco, je vais utiliser en fait, merci Marie-Dominique, les nouveaux lots qui sont disponibles depuis hier. Vous en avez entendu parler sûrement. Le lot Mon Poussin et Salut Poulette. Voilà, vous les avez aperçus pour Salut Poulette dans le mini-catalogue actuel, le janvier-juin 2021. On ne pouvait pas encore l'avoir et maintenant ça y est, c'est parce qu'en fait Stampin' Up! Nous a fait la surprise de sortir pas un mais deux sets de tampons avec les poinçons associés. Voilà. Et du coup, évidemment, je voulais faire découvrir et puis je vais en utiliser une partie aujourd'hui. Et donc c'est celui-ci. Donc ici, vous avez le lot Mon Poussin. Donc là, j'ai changé un peu ma présentation. Je vous ai mis un petit peu plus de couleurs. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Ce que vous avez vu sur le précédent, j'étais partie donc sur du noir et blanc. Et là, du coup, je me suis dit, je vais tester, je vais voir ce que ça donne si je fais des choses un petit peu plus en couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos retours, parce que c'est important. C'est pour vous que je le fais. Donc, c'est plus intéressant de savoir ce que vous en pensez. Donc, le lot Mon Poussin, tout simplement, vous avez des superbes poinçons. Alors, ici, toute cette partie-là, ce sont des découpes, tout simplement. Donc, vous voyez, je les ai hop, poinçonnés. Donc là, vous avez carrément tout le poulailler. Vous voyez, il y a même les détails de la porte et tout. Le tronc d'arbre, pardon, je cherchais le nom.
la petite pancarte qui peut servir de grillage. Et alors, je trouve ça trop fun, moi, l'épi de maïs avec les épis carrément. Je trouve ça génial. Voilà, donc on peut en rajouter quelques-uns, les œufs, et puis on a les super petites poulettes. Donc, elles, dont elles, pardon, que je trouve juste hyper fun, complètement déjantées. Moi, je trouve ça trop marrant. C'est très bien avec des couleurs. Merci pour votre retour, Marianne. Et donc, bah, vous avez évidemment les tampons ici, hein. J'ai d'abord tamponné, ensuite poinçonné, et puis colorisé donc avec les blends. Voilà, vous avez les sentiments en français, hein. Je sais qu'il y en a plein à qui ça va faire plaisir. Alors, en même temps, je lis vos commentaires, ça vous plaît en couleur. Bon, bah écoutez, je vais peut-être continuer pour les prochains. Ok, donc ça c'était pour le lot mon poussin. Ok, donc vous voyez, vous avez toutes les infos. Et le second, hop, autre version, le lot Salut Poulette. Voilà, c'est celui que vous avez déjà aperçu dans le mini catalogue. Les petites poulettes là qu'on voit. Hop, je vous les mets mieux à l'écran. Donc les tamponnages sur le bas, d'accord. Ok, ça vous permet de voir un petit peu la taille des poinçons et des tampons. Je trouve que c'est important de visualiser un petit peu mieux. Et puis tout ça ici, ce sont en fait les poinçons, les découpes. Donc c'est pareil pour vous donner une meilleure visibilité. Cette fois-ci, j'ai testé de les tamponner juste en noir. Vous voyez un petit peu mieux les détails. Et donc les découpes. Ici, c'est simplement une découpe, hein, attention. Et puis voilà, vous avez le petit poinçon, la barrière, le petit poinçon poussin, un petit nœud papillon ici qui est trop mignon. Muriel, bon, ça a l'air de vous plaire, donc je suis contente. Elle est punk, la poulette. Oui, elle est trop punk. Un peu le gaz hilarant. Maritine, oui, c'est vrai. J'avoue. Je m'étais un petit peu lâchée. Ça illumine. Ok. Donc voilà, ça vous donne vraiment une idée un petit peu plus précise de ce qu'il peut y avoir dans ces lots qui sont assez marrants. Voilà. Bien. Alors, maintenant qu'on a bien bavardé, je vous propose qu'on commence la création de notre petit panier. Et donc, je vous rappelle, on fait aujourd'hui en live le format moyen, mais vous trouverez dans la fiche technique de mon live. Comment dirais-je, les mesures pour le grand format et le petit format. Je suis désolée, je suis perturbée. Je vois un commentaire bizarre. Je vais bloquer. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. On va supprimer ça parce qu'il y a des intrus là. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Hop. Voilà. Hein? Oui, Maroutine, voilà. Bon, j'ai supprimé le commentaire. Si ça revient de votre côté, si vous pouvez, n'hésitez pas à bloquer, par exemple. Voilà. Il y en a un petit peu de plus en plus là en ce moment. Il y a des périodes comme ça, mais bon, c'est pas grave, on ne va pas se laisser perturber. Dérangé par ça. Alors, c'est parti, je prends hop, le matériel. Donc, il vous fallait. Merci Sandrine. Ouais, c'est bizarre, hein, les commentaires comme ça, des gens qui... Bon, hein, écoutez, ce n'est pas très grave. Alors, hop, je vous affiche. Ceci. Voilà. Donc. Ouais, il n'y en avait pas avant dans mes lives, Monique, t'as raison. Et maintenant, il y en a, c'est bizarre. Bon, bref. Alors, il vous fallait la base toute simple du sac. En fait, c'est du papier uni. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. D'accord? Et on le décore après d'une façon très simple, sans prise de tête, avec du papier design. Okay. Donc vous avez les mesures à l'écran. Sandrine, il n'y a pas de souci, voilà, vous les avez, il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, vous verrez après, donc à la fin du live, il me faut quelques minutes le temps que la vidéo charge. Mais de toute façon,
Vous aurez donc la vidéo en replay sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et vous trouverez toute la fiche technique téléchargeable dans l'article de blog qui s'appellera replay du live Facebook, hashtag 42, petit panier. Et voilà, vous pourrez les faire après, il n'y a pas de souci. Ok ? Alors aujourd'hui, je travaille, comme je vous disais, avec ce papier. Hop ! Donc ça sera la base en beau bourdon de mon sac. Donc un papier uni, 16,5 par 12,7. J'étais en train de me mélanger dans les chiffres. Donc ça, voilà, ça sera pour donc le format moyen. Ok ? Vous avez à l'écran aussi les plis qui sont indiqués. Ok, donc on va le faire en même temps, ne vous inquiétez pas. Pour le papier design, alors, il vous fallait un morceau de papier. Merci Maroutine. Un morceau de papier de 27,9 par 6,4. 27,9 par 6,4. Ok ? Je vais vous le redonner tout à l'heure. Ensuite, un autre morceau de papier design, le liseré, qui fait 27,9 par 1,3. Je vais vous le redonner après tranquillement, d'accord ? On va démarrer avec le papier uni, hop là, tout simplement. Alors, vous allez voir, on a en fait 4 plis à faire et puis ce sera tout. Après, on vient simplement coller notre papier design et puis on s'éclate avec la déco. C'est pas mal, hein ? Alors, je viens poser mon papier sur le bord de mon massicot. Voilà, je m'assure que d'être bien dans le champ. Et comme indiqué à l'écran, donc sur le bord long, je viens d'abord faire un pli hop, à 7 cm. Et en second, à 9,5. Voilà, ça, jusque-là, ça va. Je retourne mon papier, je pose donc le bord court sur le haut. Et je viens faire un premier pli à 2,5. Alors, en espérant ne pas vous perdre, là, vous voyez, c'est un petit peu galère parce que du coup, bah, le papier ne dépasse pas de ma réglette. Donc, ce que vous pouvez faire, coucou Muriel, c'est venir faire le pli ici, mais sur la droite du massicot, donc à 2,5. Voilà. Et puis, en fait, je vais simplement hop, venir retourner mon papier pour faire le second. Voilà, comme ça, on a un meilleur maintien du papier. Et le second pli se trouve à 10,2. Voilà. Hop. Et ça, en fait, il faudra faire exactement la même chose pour les deux autres formats. Il y a simplement les mesures qui vont changer, mais sinon, le principe est exactement le même. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Bonjour Aude, ça va ? Hop, je mets mon massicot de côté. Je viens marquer mes plis. Voilà. Comme ceci. Hop. Encore une fois, rien de compliqué. Je viens me munir de ma paire de ciseaux. Et on va simplement venir désolidariser de façon latérale les petits carrés ici et ici. Chantal, en replay, pas de souci, avec plaisir. Alors, hop, je viens juste faire une découpe ici et ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, joyeux anniversaire à ton fils. Du coup, il a quel âge alors ? Hop. Voilà. Donc, vous voyez, on se retrouve avec deux rectangles et un petit carré au centre. Bon courage, Laurence. Gros bisous, ma belle. Et je vais venir simplement biseauter ici et ici pour un meilleur maintien. Voilà, très légèrement. 11 ans. Waouh. Joyeux anniversaire, du coup. Hop, je biseaute. Voilà, peut-être que je me rapproche un petit peu.
Voilà. Et en fait, je vais faire la même chose sur mes grands rectangles. Je coupe très finement, très légèrement. Ça va aider à maintenir, en fait, tout simplement. Hop, pareil, donc sur les rectangles, je viens biseauter très légèrement. Voilà. Très, très légèrement. Ok, donc vous voyez, rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Merci Pauline pour tes vœux. C'est gentil, ma belle. Ça va, bébé, te laisse reposer un peu. Alors, j'en étais où? Là, c'est fait. Hop. Vous voyez, c'est simple. Le premier est toujours plus long le temps qu'on met tout en place. Et puis après, vous allez voir, vous pourrez faire ça à une vitesse déconcertante. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah écoutez, tout simplement, on va venir coller. Ok. Alors, je prends ma colle. Vous pouvez aussi le faire avec le double face. Hein, ça dépend vraiment de ce à quoi vous préférez travailler. C'est le beau bourdon, Muriel. Ce jaune-là, c'est le beau bourdon de la collection InColor 2020-2022. Alors, je replie mes languettes. Je viens mettre donc sur la partie extérieure ou de la colle ou du double face. Si ma colle veut bien sortir. Voilà. Voilà. Donc, à l'extérieur de mes petites languettes centrales, je rabats la partie ici. Voilà. Et je viens simplement coller mes petite languette, on fait attention à ce que ce soit bien droit. Alors quand je suis trop loin de l'écran, c'est un peu compliqué, mais voilà. On s'assure que ce soit bien droit. Voilà. Hop, n'oubliez pas que vous avez biseauté donc votre petit carré, votre petite languette, d'accord? Donc il ne faut pas que ça soit forcément bord à bord. Il faut simplement que votre structure soit droite. Voilà. Ok. Et en fait, tout simplement, ça va venir comme ceci se rabattre, là et là. Et là, en fait, vous avez déjà votre structure de sac qui est terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Je remets ici le modèle pour celles qui nous rejoignent en cours de route. Une fois qu'on commence, on s'arrête plus. Laurence, oui, j'ai bien vu que tu devenais complètement accro. Je suis désolée, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir ton message. C'est un peu la folie. Bonjour Patricia. Alors, je continue. Donc là, par contre, ça viendra la colle ou le double face se mettre à l'intérieur, contrairement à tout à l'heure où c'était sur l'extérieur des petites languettes. Hop. Et je viens refermer tout ça. Voilà. Il faut simplement faire attention que toute la structure soit bien droite. Voilà. Tout simplement. Coucou Martine. Monique, je suis contente que ça vous plaise. Hop, on s'assure que la colle adhère bien au papier. Voilà. Donc vous voyez comme c'est simple. On a une petite boîte, voilà, toute simple, toute bête. Et ça va devenir ça. C'est top, hein? Alors. On continue. Maintenant, nous allons utiliser notre papier design, dont, je vous le rappelle, la mesure était de 27,9 par 6,4. 27,9 par 26,4. Et ça, en fait, c'est donc ce qui va venir décorer l'entourage de notre petit sac. Voilà. Comme ceci. Et en fait, on va simplement se laisser guider par le papier, hop, il va venir s'entourer comme ça. Ok? Ça marche? Il nous reste, vous verrez que ça dépassera un petit peu là, d'où en fait la petite bande de papier design. Merci Marotine, t'es mignonne. Qui va venir en fait se mettre au-dessus, voilà, pour contraster un petit peu.
et puis pour décorer un petit peu plus. D'accord? Vous remarquerez que j'ai simplement pris un seul morceau de papier design, la même feuille, et puis je décore avec des belles fleurs ici, et puis je me sers du verso de mon papier. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de couleur. Ok? Donc là, tout simplement, je vais venir mettre de la colle. Ok? On fait en sorte que ce soit le plus droit possible. Alors, on réfléchit à l'avant et à l'arrière de notre petit sac. Donc là, mes plis se terminent ici. Donc je vais commencer de l'autre côté. Vous voyez? Hop, 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 comme ça, tout sera bien à l'arrière. Alors, rien de tel que l'action. Je viens mettre de la colle sur mon petit sac. Voilà, donc attention, on n'en met pas jusqu'en haut puisqu'on va mettre notre petit liseré ensuite. Je fais attention de prendre mon papier dans le bon sens. Hop, et je viens le poser. Hop, au bord, comme ceci. Et puis, en fait, on va simplement se laisser guider par les contours de la boîte. Voilà. Vous voyez, c'est pas ici complètement collé et tout, mais tout est super bien maintenu, donc pas de souci. Tu plies pas dans les quatre coins, ça. Non, du coup, on le fait comme ça. Et non, je fais pas les plis. Je fais pas les plis parce qu'en fait, selon l'épaisseur de papier de votre papier design, selon comment vous allez coller votre base de sac, en fait, ça tombe pas forcément juste, d'accord? Et sincèrement, c'est pas forcément obligatoire, d'accord? Vous voyez, tous mes petits sacs, je n'ai jamais fait de plis sur mon papier design. Et vous voyez, ça se voit pas, hein? Ok? Alors, le papier haut de lequel? Le papier design ou le papier uni? Le papier design, c'est 27,9 par 6,4. Alors, je continue. Je viens mettre ma colle sur le papier uni. Voilà, tout simplement. Pas de panique, hein? Pas de panique. Donc 27,9 par 6,4, Aude. Merci Sandrine. Et en fait, je le fais, hop, je guide simplement mon papier qui va être tenu par la colle. Voilà, bord à bord. Et puis si jamais vous avez, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas forcément droit et tout, pas de panique en fait, vous avez votre liseré qui va décorer le haut. Donc ça sera nickel. Vous pouvez aussi choisir de le faire un petit peu plus large, votre liseré, que 1,3. Ça peut être un petit peu plus grand. Si vous voulez faire une moitié, par exemple, c'est tout à fait possible. Et en fait, on continue tout au bord de notre sac, tranquillement. Hop. Ça va permettre un meilleur maintien, en fait. On pourrait aussi le faire uniquement avec le papier design. Hein. Si vous le voulez, si vous ne voulez pas la structure, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre le papier uni. Mais en même temps, bon, ça aide quand même à maintenir un petit peu mieux. Hop. Alors, quand on n'est pas en phase 2 du projet, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Je viens mettre ça droit comme ça. Tout simplement. Puis la colle va aider à maintenir le papier design et on continue comme ceci. Voilà. Vous voyez comme c'est simple à réaliser? Tout simplement. Voilà, on aide le papier à prendre la bonne forme. C'est ça aussi, on travaille délicatement le papier et tout va bien. Hop, et on termine pour rabattre. Alors, si vous considérez en fait que ça dépasse trop ici, vous pouvez faire le choix de le faire un petit peu plus court si vous voulez. Hein? Là, c'est vraiment une base. Il faut vous faire plaisir et ne pas avoir peur de faire vos tests.
Hop. Et voilà, je viens finir de coller mon papier design. Je l'aligne. Hop là. Et voilà. Et voilà. Et du coup, on a la structure de notre petit sac. Hop. Alors, maintenant, je vais venir coller simplement le liseré. Je regarde vos commentaires en même temps. Merci Sandrine. Le papier, Muriel, oui, il est sympa, hein? C'est les papiers de la SAB. Alors, je vais juste passer un petit coup de pioir ici, parce que ça doit arriver à certaines d'entre vous. Quand on coupe le papier design, parfois, il y a un petit pourlet. Et du coup, bah, il suffit simplement de venir passer un petit peu de pioir dessus. Et c'est nickel. Merci Sandrine, c'est gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Si jamais il y en a qui, parmi vous, le font en même temps que moi ou qui le font ensuite en replay, n'hésitez pas à le publier, hein, ou à me l'envoyer, que je puisse en profiter. Oups. Et si vous le publiez, n'oubliez pas le hashtag HarmonyScrap. Hop, comme ça, je serai notifiée. Alors, je viens coller mon petit liseré, 27,9 par 1,3. Et je fais exactement, j'ai de la colle au doigt. Attends. Hop. Le même principe qu'avec l'autre morceau de papier. J'aligne et je colle. Hop. Ça donne un petit contraste en fait avec le bas du papier. Merci Vivi Scrap, c'est gentil. 1,3 par 27,9, Corinne. Voilà, et je fais tout le tour comme ceci. Nous allons ensuite nous attaquer aux petites anses du sac. Et puis là, c'est pareil, hein, c'est très très simple, vous allez voir. Toujours du papier design. Donc, je suis restée sur mon liseré beau bourdon. Hop, toujours le même papier, hein. Voilà. Hop. J'ai l'impression d'entendre haute quand je dis hop. Et voilà. Ah, excusez-moi, le téléphone sonne. Voilà. Hashtag, alors Dominique, c'est hashtag, c'est pas arrobase, c'est hashtag, le dièse en fait, comme pour le téléphone, HarmonyScrap en un seul mot, et il n'y a pas de T. Ok, alors les petites anses, tout simplement, hop, vous avez deux morceaux de papier design, donc vous avez vu, je repars sur le même principe, j'ai complètement avalé la mesure. 15,2 par 1,3. Merci Sandrine. Il vous en faut deux. Et en fait, pour lui donner la petite forme arrondie, c'est hyper simple. Mais alors vraiment, vous prenez votre pioir ou un crayon ou un crayon rond. Et on fait comme pour le bolduc, vous savez, avec les papiers cadeaux. Hop là. Et voilà. C'est fait. Rien de plus. On n'y va pas trop fort parce que sinon ça va faire un rond complet. Alors Vivi Scrap, vous aurez si vous voulez sur mon blog tout à l'heure la fiche technique avec toutes les mesures nécessaires pour faire trois formats de sac. Hop, je vous les remets là. Le grand, le moyen et le petit. Alors je vais venir coller les anses de... Non, dans l'autre sens, Arménie. Hop. Je ne les ai pas incurvés du bon côté. Voilà. Elles vont venir se mettre, hop,
comme ça et comme ça de chaque côté. Ok, donc double face ou colle encore une fois. Et vous venez les positionner, les coller à l'intérieur. Ok, ça marche? Un petit peu de colle. Hop, et comme l'arrondi est déjà fait, en fait, il n'y a pas de souci. Donc, on commence d'un premier côté. On s'assure que la colle ou le double face prennent bien. Ok. Hop, je récupère l'autre morceau. Et pareil, un petit peu de colle ou de double face sur la partie basse. Hop, et je viens le coller, hop, à peu près à la même hauteur, à l'intérieur. Comme ceci. Et je viens faire... Ah, voilà, j'ai pas attendu assez longtemps, vous voyez, c'est exactement... Je fais ce que je vous dis de pas faire. Vous savez, c'est comme avec les enfants. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bah, c'est la même chose. Voilà, normalement, cette fois, c'est bon. Et c'est parti, je fais la même chose avec la seconde. Et en gros, maintenant, le sac sera fini. Maintenant, on va pouvoir s'amuser avec la déco. On s'assure d'être à peu près en face quand même. Voilà, que le papier prenne bien. Hop, je mets de la colle de l'autre côté. Et voilà. C'est bon, ça colle, ça colle. Et voilà. Voilà, voilà, notre petit sac, il est quasiment terminé. Maintenant, on s'amuse avec la déco. Et je vous ai dit que j'allais utiliser les 7 poinçons, enfin l'eau, salut poulette. Donc j'ai pré-tamponné déjà une petite poulette. Donc, je refais un peu de place, vous allez voir. J'ai décidé d'utiliser celle-là que je trouve super fun. Ça peut être pour un anniversaire. Donc, avec son poinçon adapté. Et puis, je vais venir la coloriser avec les blends. Hop. Youpla, je prends la mini que j'avais décidé, enfin, qu'on m'avait conseillé de nommer la Cute Cut ou Cut Cut. Mais c'était justement en rapport avec les petites poulettes. Je trouvais que c'était plutôt similaire. J'aimais bien l'idée, c'était assez marrant. Donc je sors ma Cute Cut ou ma Cut Cut pour couper mes petites poulettes. Et je suis un peu fatiguée, donc voilà. Hop, je viens déposer mon poinçon. Voilà, la petite poulette qui se fait embarquer par le ballon. Hop, et en fait ça va me servir de déco. Hop, pour mon petit panier. C'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas tout embarquer. Hop, voilà. Ça peut peut-être trembler un peu la caméra, je suis désolée. Ça va le faire. Voilà. Donc là, ma petite poulette et son ballon, c'est OK. Vous voyez ? Hop, donc ça je la mets là, je vais la coloriser après, je vais juste faire une dernière découpe. Je vais prendre le calico coquelicot, hop, pour aller avec donc, ce papier. Et je vais venir découper le feuilleton ensemble. Voilà, tout simplement. Comme ça j'aurai le petit texte en rouge, je ne sais pas encore si je vais le coller sur du papier blanc ou à même le sac, mais on va voir ça après. Alors, j'adore la feuille avec les fleurs roses sur fond noir. La fleur rose sur fond noir. Hein ? Je sais pas de quoi tu parles, ma bichette, là. Ok, ça, c'est bon. Et du coup, vous avez vu, hop, on a le feuilleton ensemble. Voilà, qui sort parfaitement. Il y a juste un petit bout à enlever là et là. Hop, ça vous montre que du coup, vous voyez, la mini, elle coupe aussi bien. Vous voyez ? Sympa, hein ? Alors, c'est plus rouge que ce que j'ai l'impression qu'il y a à l'écran, mais
Sandrine, ah, c'est aussi anniversaire de ton chéri? Bah, bon anniversaire à lui alors. Ah si, ça ressort bien quand même. Hein. Ouais, ça viendra là. Allez, un petit peu de colorisation parce que mes blends me manquaient. Alors, je vais utiliser le tellement safran, le calico coquelicot et peut-être le nuanceur pour atténuer tout ça. Atténuer tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé donc le club des blends. Donc, si jamais l'idée vous ou l'envie de rejoindre le club, il faut être quatre personnes pour ça, d'accord? Pour pouvoir recevoir donc quatre blends par mois. Je vous invite du coup à aller sur mon blog harmoniescrap.fr, d'accord? Dans les onglets du haut du blog, vous allez voir Club des Blends et vous avez toutes les infos. Si ça vous dit d'aller jeter un œil pour faire partie, donc créer un club à 4, n'hésitez pas, c'est encore possible d'ouvrir un club avec 4 personnes pour ces fameux blends. Et du coup, chaque mois, vous recevez donc une petite surprise avec. Voilà. Je continue donc. Je vais venir coloriser ma petite poulette. Donc là, j'utilise le tellement safran. Le clair d'abord. Hop. Voilà, pour un petit peu humidifier mon papier. Hop. On va lui faire un peu les ailes là aussi. Hop. Le plus foncé. Pour donner un petit peu d'ombre. Et je vais rajouter le cidre à la cannelle clair. Parce que vous savez, ou pas d'ailleurs, que en fait, il ne faut pas hésiter à mélanger plusieurs couleurs ensemble. Ça n'abîme pas les feutres. Et du coup, ça permet de donner des tons différents, des ombres différentes. Ça, c'est un vrai bonheur, je trouve. Hop. Tout se mélange super bien. Voilà. Ça accentue un petit peu. Je vais en remettre un petit peu sur les petites ailes. Ouais, le mois de février, dites donc, il y a beaucoup, beaucoup d'anniversaires. Hein. Et voilà. Donc je viens mélanger toutes ces couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne vraiment des ombres, c'est très sympa. Les petites pattes de Madame la Poulette en cidre à cannelle. Hop. Voilà. Et la petite touche de couleur, le calico coquelicot. Allez hop, on va s'amuser. C'est pas la plus déjantée, mais elle est quand même pas mal. Et le ballon, eh ben, je vais le faire en rouge aussi. Alors, d'abord le clair. Voyez, pas de traces de crayon. Ça, c'est ce que je trouve absolument magique avec les blends. Voilà, je laisse une petite touche de blanc pour accentuer l'ombre. Et je viens avec le foncé lui donner un petit peu plus d'ombre autour. Je repasse un peu de clair pour mixer tout ça. Et voilà, n'oubliez pas qu'avec les blends, il faut absolument utiliser, lorsque vous tamponnez, l'encre Memento pour que ça ne bave pas. Et voilà. Ça vous plaît? C'est top. Ah, Marie-Dominique, c'est votre anniversaire ce mois-ci aussi? Génial, février, j'adore. Tant que c'est pas la fin du mois, ça va, hein? Et donc, du coup, voilà, on a la petite poulette qui s'envole avec son ballon. Bonjour Christelle, bienvenue. C'est sympa, hein? Moi, je trouve ça trop mignon. Et du coup, ça, je vais le coller donc avec hop, une mousse 3D, le dimensionnel. Et du coup, ça donne encore plus de fun à ce petit panier, tout simple finalement, vous avez vu? Voilà, je vais venir coller le faiton ensemble. Ouais, je vais le mettre juste sur mon liseré en fait. Voilà, ça va être trop mignon. Allez, hop, le dimensionnel
sur la petite poulette. Donc on n'en met pas jusqu'en haut du coup, hein, parce que le ballon va être dans le vide. Ah, voilà. Alors, allez, vole petit ballon et vole petite poulette. Et du coup, je vais venir coller mon petit texte « Fais ton ensemble ». Des petits points de colle, très légèrement, hop, qu'on disperse un petit peu partout pour être sûr que ça colle bien. Très légèrement, vous voyez, je mets des petits points de colle hein, un petit peu partout. Donc on y va tranquillou avec le tube. Voilà, hop, un petit jeu de patience, mais bon. Voilà, et je viens le coller. J'ai bien envie qu'il soit un peu de travers quand même. Ouais, voilà. Et la petite touche finale que j'aime vraiment beaucoup, alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, c'est le pinceau à paillettes Wink of Stella. Je vais en mettre sur le petit texte pour donner encore plus des airs de fête à ce petit panier. Voilà, ça va le faire briller un peu. Je ne sais pas s'il est visible à l'écran. Et donc, c'est le pinceau à paillettes. Ça, c'est vraiment le petit truc que j'adore. Voilà. Hop, sur les petites lettres. Comme ceci. Et puis, je vais venir en mettre un petit peu sur le ballon. Hop. Voilà, à force de l'utiliser, je crois que j'arrive au bout. Un petit peu sur mon ballon, je vais faire sortir un peu, voilà. Pour lui donner la petite touche de brillance. Et voilà, alors je ne sais pas du tout si vous le voyez à l'écran. Mais du coup, moi là, je vois que voilà, j'ai plein de petites paillettes sur le texte, sur mon petit ballon. Pour donner encore plus un air de fête d'anniversaire ou que sais-je, à ce petit sac. Voilà, voilà. Hop, je fais de la place, que vous ayez moins le bazar à l'écran. Et voilà, du coup, tous les petits sacs, les petits paniers. Avec plaisir, Sandrine. Voilà, plein de formats différents, plein de styles différents. La mise à l'honneur de ces petites poulette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça change, hein? Le petit ballon, la petite poulette qui est embarquée par le ballon, moi, je trouve ça trop marrant. Voilà, c'est vraiment des thèmes un peu différents. Là, vous avez vu, j'avais mis en lumière pour les couturières. Ça fait partie aussi d'un set de tampons fait à la main pour toi, avec les petites pinces aussi. Bon, trop mignon, c'était trop mignon, ça allait trop bien ensemble, la version plus masculine, la version été. Coucou Cathy, j'espère que tu vas bien, bon courage au boulot, je sais que c'est compliqué pour toi, je t'embrasse très fort. Donc voilà, voilà, vous avez tous ces petits sacs, et du coup j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez pris plaisir pendant ce live. Écoutez, c'est combien la petite languette? La petite languette, le liseré autour, c'est 27,9 par 1,3. Les petites poulettes parfaites avec ces papiers. Ouais, je trouvais que ça rendait super bien, n'est-ce pas hein? Je suis contente. Oui, oui, puis tu voyez là, plein de couleurs et tout. On a besoin de toutes ces couleurs. On a besoin de lumière. Et du coup, s'il n'y en a pas dehors, et ben du coup, on va la chercher, on se la crée. Et on peut le faire avec le scrap. Du coup, c'est ça qui nous fait du bien. C'est pour ça que j'appelle maintenant ce petit live notre bulle créative. Voilà, c'est notre petite parenthèse du milieu de semaine. Et je suis sûre que, comme moi, ça fait du bien à plein de monde. Ma routine, oui, ils ont de l'imagination. Hein. Je suis contente, Marianne, que ça vous plaise. Merci Monique, c'est gentil. Bah là, il travaille pour l'instant, mais je lui transmettrai tous vos bons voeux. En tout cas, c'est super gentil de votre part. Alors voilà, on arrive à la fin de notre live. Si jamais
vous avez envie, voilà, de vous faire plaisir et de craquer sur certains de ces produits, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne, harmoniescrap.stampinup.net. N'oubliez pas d'ajouter donc le code hôtesse qui s'affiche à l'écran. Vous recevrez voilà, un petit cadeau de ma part, comme chaque mois. Merci Aude, c'est gentil. Voilà, vous avez la boutique qui s'affiche à l'écran. Hop là, j'ai un bug. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vais réapparaître. Hop là, et voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question concernant les produits ou si vous avez besoin d'aide pour commander sur la boutique en ligne ou si vous avez, pour mon plus grand bonheur, envie de rejoindre ma chère petite équipe, voilà, je suis dispo. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Vous avez toutes mes coordonnées à l'écran. Et puis, n'hésitez pas, donc, d'ici, allez, je vais dire maximum une heure vu l'état du réseau aujourd'hui. Vous retrouverez donc la fiche technique hein, sur mon blog harmoniescrap.fr, d'accord, et vous pourrez la télécharger pour l'avoir chez vous, pour pouvoir faire les différents formats. J'espère que l'idée vous plaît. Et puis voilà, donc juste le temps de charger tout ça et ça sera dispo. De toute façon, je le publierai aussi sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas, profitez-en, amusez-vous, partagez vos créations. Hashtag harmoniescrap pour que moi aussi je puisse les voir et puis vous retrouverez aussi donc sur le blog en haut du blog le club des blends by harmoniescrap et vous aurez donc toutes les infos pour rejoindre ce club. C'est le premier que je suis et projet terminé. Ah Magali, bienvenue du coup, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et du coup vous l'avez fini, génial. Merci Coco, t'es trop mignonne. Une marraine au top, t'es trop mignonne. Yvette, avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent après-midi. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau projet qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Voilà. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. À très vite. Bye bye.